Pompidou. Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très, très proche? Tout le monde, tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Bonsoir à tous. La France et le Gabon et la France, c'est une longue histoire commune. La France soutient la dynastie Bongo depuis le début des années 60 et les Bongo financent les partis politiques français. Ça s'est longtemps passé comme ça et tout le monde était très content. Ce soir, complément d'enquête vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, ce petit pays pauvre en Afrique, pauvre malgré de grandes ressources pétrolières. Ali Bongo, c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo. Il a été élevé dans les meilleures écoles françaises. Pour la petite histoire, il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Élysée. Et ensuite, il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune. Mais en septembre dernier, sa toute dernière réélection, très douteuse, a provoqué des émeutes sanglantes. Dans les fauteuils rouges, on parlera de tout cela avec Robert Bourgi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avocat de la France-Afrique, grand connaisseur de toutes les affaires africaines. On va en parler, mais on regarde d'abord ensemble ce reportage, le clan Bongo, une histoire française. C'est une enquête de Donatien Lemaître, Laurent Di, pour Bangoumi Productions. Vous allez bien, monsieur le président? Ça va, et vous-même? En chemisette, décontracté. Il a l'air d'un vacancier. Voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'État africains, le plus français en tout cas. Ali Bongo, 58 ans, président du Gabon, un dictateur selon ses opposants. Petit tour dans Libreville, la capitale. C'est lui qui est au volant, mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa garde rapprochée. J'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles. Les autres occasions, je conduis moi-même. Pour moi, c'est en même temps une détente que de conduire. Et j'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder. Une façon pour lui de voir son pays et son peuple loin de son palais. Ce matin, l'accueil dans les rues est chaleureux. Comment ça va les hommes? Ça va, très bien. Bon, l'initiative, c'est bon, les boss. Mais, on est venu voir un petit peu les succès, merci. Le contact avec les populations, c'est un moment privilégié. C'est toujours très important de maintenir ce contact-là. Ici, à Libreville, je n'ai pas de problème. Je me promène dans n'importe quel quartier. Il y a des endroits du pays où c'est plus compliqué? Non, pas du tout. Dans tous les coins, tous les endroits, toutes les villes du pays, je me promène sans difficulté. Alors, Ali Bongo populaire, pas si sûr. Lors de la dernière élection, Ali Bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes. Résultat, les émeutes les plus violentes qu'ait connues le pays. Une trentaine de morts. Ali, attention, c'est pas un petit gros. C'est quelqu'un qui peut être parfaitement brutal. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un type qui peut être policé comme ça, affable, mais aussi extrêmement violent. Il est diabolique. Sans état d'âme, sans cœur. Je vous assure. Le Gabon, petit pays d'Afrique de 2 millions d'habitants. Dirigé depuis 50 ans par la même famille, les Bongo.
Le Gabon, base arrière de la France, qui s'y fournissait en pétrole, en bois, en uranium et en cash. Omar, le père d'Ali, aurait offert des millions d'euros à nos hommes politiques pour financer leur campagne. Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. C'était du cash, il le mettait dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre. Voilà. Protégé par la France, la famille Bongo a amassé au cours de son règne une fortune colossale, plus de 500 millions d'euros. Depuis la mort d'Omar en 2009, Ali a pris la relève. Comme lui, il mène une vie de millionnaire, roule en voiture de luxe, passe ses week-ends à Londres et s'offre le meilleur orchestre du monde pour faire de la musique. Pourtant, le nouveau président jure être en rupture avec son papa, roi des coups tordus. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Il y a un côté frustration, un côté freudien d'Ali par rapport au père. C'est-à-dire, après tout, j'ai pas été aimé comme j'aurais dû l'être. Portrait d'une dynastie de chefs d'État. D'un père tout-puissant aux 54 enfants et de son fils mal-aimé qui a bien failli ne jamais lui succéder. Il nous a fallu plusieurs mois de négociations pour approcher Ali Bongo. Il a finalement accepté de nous parler de lui. À Libreville, dans son palais. Impossible de rater ce bâtiment aux reflets dorés sur le front de mer. Il est gigantesque, presque 10 fois plus grand que l'Élysée. Un bâtiment construit par Omar Bongo en 1977, un projet pharaonique. Ce palais somptueux, est-ce que ce ne sont pas des dépenses exagérées, même si votre pays est riche? Un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui va dormir à même le sol ou à la belle étoile. Il faut un palais. Aujourd'hui, les temps ont changé. Cette bâtisse luxueuse gêne le fils Bongo. Interdiction de filmer l'intérieur du palais du président, tout en marbre et dorure. Ces quelques images ont été tournées discrètement. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Voici le salon choisi par la présidence pour l'interview. Derrière nous, des portraits géants. Ses excellences Omar et Ali Bongo. Le Gabon est une république, mais le culte de la personnalité est bien vivace. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien. Ali Bongo a mauvaise presse en France. Avec cet entretien, il veut redorer son blason. Il fait sortir tous ses conseillers de la pièce. Ah non, non, ils vont me gêner, là. Ouais. Est-ce que là? Oui, ou alors... Oui, c'est mieux. OK. OK. Ah, c'est mieux. Enfin seul, hein? Enfin seul, comment dire. Le gouvernement français le tient à distance. Une blessure pour lui qui a passé son enfance chez nous, la France, sa seconde patrie. Alès, petite ville minière perdue dans les Cévennes. C'est ici qu'Ali Bongo débarque à 6 ans. Il grandit dans ce pavillon. Pendant 4 ans, il va mener une vie modeste, élevée par une ex-missionnaire protestante, Odette Perret. Voici deux anciens camarades d'Ali Bongo, Didier et Patrick. En primaire, ils étaient en classe avec un futur chef d'État.
C'est ici que vous avez joué avec Ali Bongo. Voilà. C'était dans la cour des garçons. Là, c'est la cour des garçons. Bon, j'ai repris mon cartable. Très bien. Toujours bien élevé. Allez. Interrogation écrite. Voilà. Et vos documents. Donc, il est là. C'est quelqu'un qui était assez discret, calme, bon, qui n'était pas tapageur, qui ne cherchait pas à se mettre en avant. Voilà. C'était pas le roi africain, non, de passage à l'Est. Ah, c'était pas le nabab. Pas du tout le. Il se frisait pas les moustaches. Non. Un petit Africain perdu au milieu des Français. Envoyé à Alès par son père pour être protégé après une tentative de coup d'État. Car papa est numéro 2 du régime gabonais. Quand Ali rentre à Libreville, à la fin de son primaire, son père a gravi un échelon. Il est devenu président. Ali a sa propre moto. La famille Bongo mène désormais la vie de château. Des années dorées, vacances en famille, au sport d'hiver, dans les Alpes françaises. Ali découvre la neige. Et Omar est traité comme un roi. Une personne pour lui enlever ses chaussures de ski, puis deux, puis trois. Ali, lui, vit désormais bien loin d'Alès, entouré de domestiques, dans un bel appartement, avenue Foch à Paris. Le fils du président poursuit sa scolarité dans un établissement très réputé de Neuilly. C'est donc ici, à l'institution Sainte-Croix de Neuilly, que j'ai été en classe quelques années avec Ali Bongo. Michel Folle a fait son collège avec l'actuel président du Gabon. Le matin, on pouvait admirer une belle voiture noire arriver avec, avec Bongo et ses gardes du corps. Et en classe alors, que donnait l'élève Bongo ? Disons qu'il était un élève moyen, il n'était pas nul, mais il n'était pas exceptionnel non plus. Hein. Donc il était, je dirais, très moyen. Voilà. Dans l'ensemble, j'avoue que j'étais pas un élève très motivé. Il y a des camarades de classe qui disaient que vous étiez un peu bavard aussi en classe. Oh, ils exagèrent. Je n'étais pas si bavard que cela, mais simplement que j'ai mué un petit peu plus vite et donc ma voix était un peu plus grave, donc on me repérait rapidement. Ali Bongo est un élève médiocre. Au lycée, ses mauvais résultats deviennent inacceptables pour son père, se souvient son professeur d'anglais de l'époque. Lorsque les notes laissaient à désirer, il était convoqué à Libreville et il partait entre deux avions recevoir une admonestation de son père. Et je l'ai vu revenir un lundi matin, les traits tirés, les yeux fatigués, et il avait fait l'aller-retour pendant le week-end pour se faire enguirlander par le président. Son père est fou de rage, qu'importe. Ali Bongo n'aime ni les études ni la politique. Il n'a qu'un rêve en tête, devenir chanteur. Sa passion, le funk. Il a à peine 17 ans et fait déjà la tournée des salles au Gabon. Il enregistre même un disque. Grâce à l'argent de papa, il se paye les musiciens de James Brown. À l'époque, il s'appelle encore Alain. Il changera de prénom après sa conversion à l'islam. À l'approche du bac, c'est la panique dans la maison Bongo. Entre le Gabon et la France, le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'État. Ça, c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix, c'est ça ? Des anciens qui ont passé le bac. D'accord. Donc, on a une liste par promotion. Alors Ali Bongo, il est dedans ou pas ? Alors il n'y est pas. C'est bizarre, c'est un mystère. En fait, son bac, Ali l'a bien obtenu en 1977. Mais pas de façon très académique, selon Jean-Paul Benoît.
À cette époque, ce haut fonctionnaire français... Ça, c'est moi quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la Coopération. ...était en coulisses l'homme qui réglait les problèmes d'Omar Bongo à Paris. Il affirme avoir fait jouer ses relations au plus haut niveau pour qu'Ali, le fils, ne soit pas recalé. En fait, j'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas. Si, il avait foiré en partie. Si, il l'avait foiré. Est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone ? Je l'ai eu au téléphone à ce sujet, oui, tout à fait. Et une fois qu'il vous a alerté de ses craintes, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait savoir à qui de droit que ces craintes existaient. Et de la nécessaire indulgence du jury. Et qui de droit c'était ? René Journiac, responsable des affaires africaines à l'Élysée, de l'époque. Donc auprès de l'Élysée, auprès de Valéry Giscard d'Estaing, non, j'imagine ? Journiac était le collaborateur de Giscard d'Estaing, bien évidemment. La suite ? Un coup de baguette magique. Deux copies du jeune homme auraient été mystérieusement perdues. Ali aurait donc obtenu la moyenne d'office. Pour les Bongo, le bac ? Simple comme un coup de fil. C'était la pratique de l'époque. C'était un autre contexte. Il y avait une co-gestion familiale des affaires franco-africaines, ce qu'on a appelé la Francafrique. Il paraît que votre père serait intervenu auprès des autorités françaises pour que vous ayez votre bac. C'est vrai, cette histoire ? Ah, vous me l'apprenez. Vous en avez jamais entendu parler ? Non. Alice semble avoir perdu la mémoire. Une certitude, il a toujours vu la France céder aux caprices de son père. Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France, sans le Gabon, est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Le papa d'Ali a du talent. Le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche. Grâce à un deal incroyable, signé avec la France et son groupe pétrolier, Elf. Dans les eaux gabonaises, des millions de litres de brut sont pompés chaque mois. Et le schéma de la filiale locale est le suivant. En plus d'Elf Aquitaine et de l'État gabonais, 18% des actions sont réservées à Omar Bongo, avec à la clé de jute de dividendes versés à son clan. Quand Loïc Le Floch-Prigent prend les commandes d'Elf en 1989, il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs. La formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire, je ne la trouvais pas saine. Mais je n'étais pas en position de la combattre. C'est comme ça que Omar Bongo a fait sa fortune. En touchant sur le pétrole, sur ses parts. En touchant sur ses parts dans Elf Gabon. Il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi. Mais les patrons d'Elf seraient allés encore plus loin, en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus. Nous avons mis la main sur un document confidentiel adressé à Philippe Jaffré, le successeur de Loïc Le Floch-Prigent. Dans ce courrier daté de 1996, signé de sa main, Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser. Il appelle ça ses frais commerciaux. 10 millions de dollars par trimestre. Pourquoi l'État français, propriétaire d'Elf, a-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement ? La clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville,
sur les murs du bureau d'Omar Bongo. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très, très proche? Tout le monde. Tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Pour cela, il serait passé par un intermédiaire. Un avocat franco-libanais. L'homme qui a offert de très chers costumes à François Fillon. Le fameux Robert Bourgi. Pendant des années, il a fait la navette entre la France et le Gabon. Je crois être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui m'appelait fiston. Après la mort du patriarche, Robert Bourgi se met à table. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, Le Pen, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Mon cher Robert Bourgi, cette photo est le gage de notre fraternité. Jean-Marie Le Pen dément avoir touché un centime, tout comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin également cités. Aujourd'hui, celui qu'on appelle l'avocat de la France-Afrique va plus loin. Tout le monde était mouillé. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Comment ça se passait en pratique? Je ne veux pas... Sans citer de nom? Non. Je ne veux plus en parler. Quand Bongo était à l'hôtel Crillon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre, voilà. C'était une façon de redistribuer. C'était aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. À la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Compte à l'étranger, yacht, immobilier de luxe. Les Bongo ont en plus la main mise sur des pans entiers de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics, par exemple, hein. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio, le secteur aérien. S'ajoute aussi un patrimoine immobilier conséquent, chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1 600 000 euros. Alors ici c'est
le 4 rue de la Baume. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale. Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne. Et 11 autres sur la Côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros. Mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays, mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui. Tu as le temps de tout faire? Quand j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, mais moi je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Tout au total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns pris en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. À peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain, a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce, les plus chers des Mercedes, et donc des véhicules qui pouvaient monter, comme cette Maybach, à 496 000 euros. Et au total, on arrive à presque 15 millions d'euros. Pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. C'est un plaisir. Et moi donc, ça donne envie de revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongo est le shopping, Place Vendôme. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongo a dépensé 1 million d'euros à Paris, dont 132 000 euros chez le joaillier Van Cleef et 144 000 euros chez Hermès.
Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. 2 ans plus tard, Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée ? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous, on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait ? Ah non, non, officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts, alors, vous avez déjà transféré combien d'argent ? Mais je trouve c'est un peu délicat, comme la question que vous me posez là, parce que moi, j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation-là. Mais vous allez vraiment le faire ? Bien, vous savez, ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier-là. Ce n'est pas, nous n'avons pas encore totalement clôturé. Une succession compliquée, surtout avec 53 frères et sœurs. Pas facile d'être l'héritier d'Omar, ce père qui a si souvent humilié son fils aîné. L'histoire avait bien commencé. Après ses études poussives, le jeune Ali est invité par son père à le suivre partout. Il l'observe et apprend le métier. J'ai commencé à travailler à ses côtés, sans une affectation précise. J'étais un super chargé de mission. Lorsqu'il ne pouvait pas aller dans certaines manifestations, j'y allais pour le représenter. Et puis, surtout, il avait des missions particulières, donc il me confiait. Son rôle, c'est un rôle bidon. Ça doit être un papa Madi. Il a une activité de fils de président qui passe sa vie un peu partout, avec plein d'argent. Et qui a un passeport, sans doute, il y a marqué représentant, c'est tout. Donc, et il transporte peut-être des lettres de son père et quelques petits messages, à condition qu'ils ne soient pas très compliqués. En 1989, ça y est, Ali Bongo devient ministre. Il a à peine 30 ans. Il le sent, lui, le fils aîné, il deviendra président. Bongo fils prend confiance. Il veut rénover la vie politique gabonaise, la rajeunir, jusqu'au pas de trop. Il se met à défendre le multipartisme. Le patriarche s'irrite. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Bongo père pète les plombs. C'est la disgrâce. Il décide de débarquer son fils. Ses conseillers trouvent une astuce, une réforme bidon de la Constitution. Donc il a été introduit un article qui indiquait que pour entrer au gouvernement, il fallait avoir l'âge de 35 ans, âge que je n'avais pas à l'époque. C'était une manière de vous écarter. Tout à fait. Donc là, cet article est passé, il a été voté, et bon, j'ai dû donc quitter le gouvernement. Vous avez eu quel sentiment à cette époque-ci ? Ah, la manœuvre était belle. Tricard, Ali Bongo se replonge dans la musique.
Il fait venir en Afrique le roi de la pop. L'attendait et il est arrivé. Michael Jackson, qui effectuait une visite de 2 jours au Gabon, a dû passer la nuit dans le sud du pays en raison d'intempéries qui rendaient périlleux son retour en hélicoptère ou en avion. Joli coup, mais allez, ronge son frein. Pendant ce temps-là, son père l'a remplacé à son poste par sa rivale, Pascaline, sa grande sœur. Pascaline était l'enfant chéri d'Omar Bongo. C'est elle qui traitait tout, toutes les choses secrètes, les coups souvent tordus du président, toutes les questions financières. Hein, c'était Pascaline qui dominait tout ça et non Ali. Ali, pendant des années et des années, il était quand même tenu en marge du pouvoir. Pour ceux qui connaissaient un peu, il n'avait quasiment pas de bureau au palais présidentiel. Et si on ne comprend pas cette humiliation-là, on ne comprend pas sa volonté de revanche. Ali va rester 10 ans au placard. Il est rappelé par son père comme ministre des armées, car Omar n'a plus confiance en personne. Il craint un coup d'État. Ali a retenu la leçon, il ne moufte plus. Peu de temps avant sa mort, Omar en fait son successeur. Pour cela, il doit faire adouber son fils par l'Élysée. Une mission confiée à son émissaire de toujours, Robert Bourgi. Omar Bongo me dit, il faudrait que tu ailles avec Ali voir Nicolas. Je lui dis, pourquoi papa? Il me dit, je voudrais que Nicolas sache que je vais en faire mon successeur. Et nous voilà partis, Ali et moi, en novembre 2008. Le président Sarkozy le reçoit. Il lui dit, écoutez, je prends acte du souhait de votre père, mais je tiens à vous dire ceci, Ali. Il faut que le choix de votre père soit approuvé par le peuple gabonais. 8 juin 2009. Omar Bongo meurt à l'âge de 73 ans. Des funérailles hors normes sont organisées à Libreville pour lui rendre hommage. Sous les yeux de son fils et de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Patrick Balkany ou Bernard Kouchner, tout Paris est là. Quelques mois plus tard, Ali sera élu président du Gabon. Le fils tient enfin sa revanche. Son premier chantier, mettre fin au système Omar Bongo et à ses mallettes de cash. Il va profiter de la visite du président Sarkozy pour lancer un message à toute la France. Quelques mots qui n'ont l'air de rien, mais un discours historique pour tous les Gabonais. Leurs Excellences, messieurs les chefs d'État. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique, riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant, à la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Après les paroles, un acte fort. Ali coupe la tête de la figure de la France-Afrique, l'encombrant Monsieur Bourgi. Aujourd'hui, vous entretenez quel rapport avec Ali Bongo ? Aucun. Je n'en veux pas. Il m'a écarté. J'ai commencé à traverser le purgatoire. Peut-être que j'ai été un témoin gênant. Il a mis fin au système des mallettes. Du coup, vous n'avez plus de travail ? Comment vous dire ? C'est un bureau honorable. Je n'ai pas besoin de l'argent d'Ali Bongo Ndimba.
Loin de là. Au contraire, je me sens plus riche sur le plan du cœur. Ali veut se démarquer de son père. Mais il a surtout compris une chose. La France a beaucoup perdu de sa puissance. Aujourd'hui, même si l'Hexagone reste le premier partenaire commercial du Gabon, Ali se tourne vers l'Asie. Dans le sud du pays, le président vient inaugurer une usine flambant neuve. Il mise désormais sur l'huile de palme. C'est ça le fameux remplaçant du pétrole ? Eh oui, regardez bien. D'ici quelques années, ça va être vraiment quelque chose pour nous d'extraordinaire dans la mesure où à peu près dans 10-12 ans, l'huile de palme nous rapportera autant que le pétrole aujourd'hui. Ce marché du futur a été confié à une entreprise de Singapour. Inimaginable au temps d'Omar Bongo. Est-ce que le fait que ce ne soit pas une entreprise française, par exemple, qui soit venue, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation avec la France ? Non, non, rien n'a changé. Tout simplement, c'est du business. C'est tout simplement du business. Nous avons dit, nous voulons développer le Gabon. Et nous sommes ouverts au partenariat. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Le président tourne le dos à la France et règle ses comptes avec sa sœur. Son ancienne rivale, Pascaline, a été chassée du palais et vit à l'étranger. Ali refuse de régler les ardoises de sa frangine. Voyage en jet privé, frais de bouche, il y en aurait quand même pour une dizaine de millions d'euros. Vous les auriez payés, vous ? C'était des dépenses professionnelles, personnelles ? Non, mais vous les auriez payées ? Moi, je ne les ai pas. Oh. En tant que président, je suis responsable de ce qui concerne tout ce qui concerne l'État. Si ces dépenses ne sont pas liées à l'État, eh bien, l'État n'a pas à les honorer. Ali se pose au service de son peuple. Il a convoqué la presse dans le sud de Libreville pour une visite de chantier. Le président a promis de goudronner 3600 km de route dans un pays qui en manque cruellement. Cette partie, cet axe que nous venons d'emprunter pourra être, Inch'Allah, opérationnel à la fin de l'année. Vous voulez donner l'image, un président bâtisseur et populaire ? Ce n'est pas l'image, c'est ce que je suis. Je suis un bâtisseur et donc ça m'intéresse d'être sur les chantiers pour contrôler, pour voir ce qui se fait et pour encourager les hommes. Le lendemain, nous sommes sortis de Libreville. Cette fois-ci accompagnés d'un opposant historique du clan Bongo, Markona et Sangui. En dehors de la capitale, presque pas de bitume. La route redevient piste. C'est un peu tape-cul, hein ? Ah bah oui. Tout simplement parce que l'État n'a pas honoré ses engagements. Pour l'instant, seulement un quart des routes promises a vu le jour. Le pays est à la traîne. Les Gabonais encaissent. On veut tout simplement vous montrer la face cachée du Gabon, avec une population d'un million d'habitants qui est croupie dans la misère et qui n'arrive même pas à avoir le minimum vital. Point kilométrique 68, enfin du bitume. Nous faisons une halte dans un petit village. Quand le président n'est pas là, la parole se libère. Nous vivons l'Afrique totale. Je suis chômeur. Je suis obligé de venir au village. Je suis diplômé, mais je suis au village et puis bon. Ici, c'est jus de canne à sucre, habitation de fortune et système D. L'électricité arrive bien dans les maisons, mais pour l'eau, c'est une autre histoire. Celle-ci a l'odeur de la boue. Non, on ne la consomme pas, nous consommons l'eau de la rivière. C'est choquant, tout simplement parce que nous sommes dans un pays présenté à l'international, à l'extérieur, comme un pays extrêmement riche.
Vous avez le pétrole qu'on exploite au Gabon depuis bientôt 100 ans, le bois qu'on exploite depuis 150 ans. L'État gabonais, avec tous les moyens que nous avons, peut assurer ce minimum vital aux citoyens. Le pays s'enfonce. Ali Bongo refuserait-il de le voir ? Depuis qu'il est au pouvoir, la dette a été multipliée par 3. Il a même dépensé 700 millions d'euros pour offrir aux Gabonais la Coupe d'Afrique des Nations. Avec cet événement, Ali espère peut-être faire oublier à son peuple ce triste jour du 31 août 2016. Date des résultats de la dernière élection présidentielle. Ce jour-là, Ali Bongo affronte Jean Ping. Cet adversaire, il le connaît bien. C'est son ex-beau-frère. En couple pendant des années avec Pascaline, sa sœur rivale. Au fil de la journée, les résultats tombent. Il donne Jean Ping vainqueur. Il est persuadé d'avoir gagné. Qui est le président de la République gabonaise ? C'est moi, Jean Ping. Mais à 17h, coup de théâtre. Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%. Je vous remercie. Ali Bongo est réélu pour un deuxième mandat. Il l'emporte d'une courte tête de 5 500 voix. Une province a fait basculer l'élection. La terre natale du président. Le Haut-Ogooué. Là-bas, 99,93% des électeurs auraient voté. Et 95,46% pour Ali Bongo. Aujourd'hui, retranché dans sa maison de Libreville, Jean Ping, le candidat malheureux, ne décolère pas. Il crie à la fraude. Il a fallu tricher massivement au point de faire voter 99,99% des électeurs dans la province natale. Pas un seul malade ce jour-là. Tous étaient là, comme par hasard. Et le résultat a fait en sorte que là-bas, uniquement là-bas, les résultats soient complètement faussés. Vous comprenez que ça n'existe pratiquement nulle part ailleurs dans le monde, ce genre de système. Dans la province du président, selon les chiffres officiels, 47 électeurs seulement se seraient abstenus, sur un total de 71 000. Des résultats miraculeux, mais qui seraient complètement faux. Nous avons récupéré un quart des procès-verbaux du Haut-Ogooué, avec le nombre d'électeurs inscrits et les suffrages réellement exprimés. Nous avons tout recompté, village par village. Le chiffre des 47 abstentionnistes est vite dépassé. Sur à peine un quart des bureaux de vote, nous avons déjà 3346 électeurs qui n'ont pas voté. Le taux de participation est très élevé dans votre région, 99,93%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les élections sont maintenant derrière nous. Les taux de participation dans certaines provinces ont toujours été très élevés. C'est mathématiquement quasi impossible. La Cour constitutionnelle a répondu à cela, et donc je vous engage à voir ce que la Cour constitutionnelle a publié comme vrai résultat, et vous verrez vous-même. Le 31 août 2016, Ali Bongo est réélu. Personne n'y croit. Pour la première fois, le paisible Gabon va connaître le chaos. Émeute, pillage. Les partisans de Jean Ping vont mettre le feu à l'Assemblée nationale. Ali Bongo fait alors ce que son père n'a jamais osé faire. En pleine nuit, il lance l'assaut contre le QG de Jean Ping, où s'abritent des centaines de Gabonais. Il donne l'ordre de tirer à balles réelles.
Ces images ont été tournées le soir même. Nous sommes retournés sur les lieux avec des membres de l'opposition qui étaient présents lors de l'assaut des forces spéciales. Ils ont tiré et tant dans les fleurs, donc on ne les voyait pas d'abord. Et c'est ces balles-là qui ont fait cet impact. Vous voyez ici, il y a des balles là. Tous ces impacts-là. Et ce jour-là, il y avait plein de monde ici, autour du QG. Alors ils ont tiraillé, puis tout le monde, tous ceux qui étaient là, sont tombés, sont morts. Le lendemain de l'attaque, des journalistes français ont pu tourner à Libreville. Dans les morgues, des Gabonais tués par balles. Dans les rues, des cérémonies mortuaires improvisées et des femmes qui pleurent en apprenant la mort de leurs proches. Combien de Gabonais sont-ils tombés ? Une militante de l'opposition a été chargée par Jean Ping de compter les victimes. Elle s'appelle Annie Léa May. Aujourd'hui, elle a pris ses distances avec le candidat. Vous avez par exemple ici Elvis, qui est décédé. Vous avez ici Simon Condé, décédé par balle. Vous avez ici Mvono Ejo, décédé aussi par balle. Nous sommes sûrs de 29 décès. 29 décès, donc 23 clairement identifiés avec des noms. Et les autres, les parents n'ont pas voulu nous donner les noms, révéler leur identité. Toutes ces personnes n'ont fait que revendiquer leur vote. Donc mourir parce qu'on réclame juste un droit, c'est ahurissant, c'est aberrant, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Nous avons contacté une douzaine de familles de victimes. Toutes confirment les affirmations de l'enquêtrice. Son rapport a été transmis à la Cour pénale internationale. Le président conteste ce bilan. Selon lui, seuls 4 pillards auraient été abattus. Aujourd'hui, Ali Bongo veut tourner la page. Il a même de l'espoir pour le Gabon et pour lui. Je souhaiterais pouvoir me retourner en arrière pour me dire que le chemin parcouru a été bon. Et j'espère, dans ces temps, pouvoir me dire que j'ai bien travaillé. Votre père a une longévité de 40 ans à la présidence. Vous imaginez faire autant ? Ça me paraît difficile. D'abord, je n'ai pas le même âge. Et puis, les temps sont totalement différents. Je crois qu'on ne peut pas comparer les époques. Les époques ne sont pas comparables. Donc c'est une situation difficilement envisageable. Ali le sait. Le pays gronde et rien ne dit qu'il pourra terminer son mandat. Après un demi-siècle de pouvoir, les Bongo pourraient bien voir le trône leur échapper. Et voilà pour ce reportage sur le clan Bongo, une histoire française, un reportage signé Donatien Lemaître et Laurent Di pour Bangoumi. Et on se retrouve donc dans votre bureau, Robert Bourgi, dans les beaux quartiers de la capitale, un bureau dans lequel, j'imagine, sont passés un certain nombre de chefs d'État africains. On va parler d'Omar Bongo, que vous appelez papa, on va parler de son fils, Ali Bongo, puis on va parler de vous aussi, parce qu'il y a des choses à dire. Absolument. Vous avez notamment défrayé la chronique en offrant des costumes très chers à François Fillon. Ça lui a coûté assez cher, on verra si on a le temps d'en parler. Mais d'abord, l'Afrique. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est à la fois parfois exotique, quand Ali Bongo s'offre un grand orchestre à Londres, et puis parfois tout à fait dramatique quand il y a des morts après sa réélection à Libreville. Qu'est-ce que vous retenez ? Je voudrais tout d'abord féliciter les auteurs de ce reportage. Il dépeint très bien la situation du Gabon au lendemain de l'élection volée d'Ali Bongo Ondimba, mais surtout il dépeint bien le personnage Ali Bongo Ondimba.
Alors ça veut dire que vous confirmez cette immense fortune, plus de 400 millions d'euros, ça veut dire que vous nous confirmez ces immeubles, ces propriétés achetées en France, et puis le caractère douteux et violent de sa dernière réélection ? Quand vous dites 450 millions d'euros, je crois qu'on est loin du compte. C'est beaucoup plus ? Je pense que ça devrait tourner autour de 2-3 milliards d'euros. La fortune personnelle d'Ali Bongo ? La fortune amassée par le clan Bongo. Il est évident que Ali Bongo Ndimba s'est considérablement enrichi pendant les 7 années de son premier mandat. Énormément. Mais Robert Bourgis, là, vous dénoncez des choses graves. Hein. La fortune qu'avait le père, la fortune qu'a le fils, mais pendant des années, vous étiez très proche du père. Vous l'appeliez Absolument. Papa. Ça ne vous dérangeait pas, à l'époque, qu'Omar Bongo détourne autant d'argent de son pays pour se les mettre dans la poche ? Monsieur Poincaré, les temps ont changé. Lorsqu'en septembre 2011, j'ai provoqué, rappelez-vous le titre du Monde, un séisme dans notre pays, j'ai dénoncé des pratiques qui ne doivent plus exister aujourd'hui. En septembre 2011, pour que les gens comprennent bien. Septembre 2011. Vous avez raconté que pendant des années, vous-même avez ramené des mallettes de billets. Entre autres, que vous le donniez, entre autres, aux partis gaullistes, que vous avez vu Jacques Chirac et Dominique de Villepin compter physiquement les billets que vous aviez ramenés. Tout ça, vous l'avez révélé en 2011. J'ai dénoncé ces pratiques. Et ce que j'ai constaté à l'époque, c'est qu'on m'avait menacé de diffamation. Je n'ai vu aucune diffamation, si ce n'est celle de Jean-Marie Le Pen. Robert Bourgis, je crois qu'il faut expliquer ce que c'était que la France-Afrique à cette époque, vous dites, il y a 10, 20, 20, 30 ans. En gros, la France protégeait des potentats, des dictateurs Absolument. Africains. En échange, ces dictateurs donnaient de l'argent qui servait essentiellement à financer les partis politiques français. À l'époque, il n'y avait pas de financement des partis politiques. Et c'est les mallettes que vous et d'autres rameniez qui finançaient la démocratie française en partie. Monsieur Poincaré, je l'ai dit au magistrat à ma demande. Je n'ai jamais transporté de mallette. Dans ce bureau, vous l'avez dit au début de votre propos, il s'en est passé des choses. Les émissaires, ministres, directeurs de cabinet, fils ou filles de chefs d'État, arrivaient. 2 jours auparavant, j'avais pris les rendez-vous avec telle ou telle personnalité politique de tous bords. Et je les accompagnais. Ils versaient leur obol. On s'échangeait les mallettes. Voilà. Dans ce bureau. Mais bon. Moi, je n'ai jamais transporté de mallettes. Ok, mais ça se passait dans ce bureau quand même. Vous avez écrit récemment vos mémoires, je crois. Sont terminés. Sauf que vous ne les publiez pas. Non. Pourquoi ? Parce que vous dire pourquoi. C'est de la nitroglycérine ? C'est explosif ? Je crois que la nitroglycérine, c'est une boule puante à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit pétard. Si ces mémoires devaient paraître aujourd'hui, comme m'a dit dernièrement un homme politique de premier plan dans notre pays, qui avait lu quelques passages, je lui ai dit, tiens, tu n'as qu'à lire. Le lendemain, il m'a appelé à la première heure du jour. Il m'a dit, il faut que je te voie. Je suis allé le voir, il me dit, Robert, je t'en supplie. Si ces mémoires paraissent, tout un pan de la classe politique française va à la retraite immédiatement. Alors, ça fait 400 pages, si je suis bien informé. C'est dans un coffre-fort, quelque part, là, non c'est... Ça a disparu. Il y a un exemplaire chez Robert Laffont, il y a un exemplaire chez Valdiguier, il y en a un chez moi. Laurent Valdiguier du Journal du Dimanche qui a coécrit avec vous. Donc il y a 3 exemplaires. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas trop m'embêter. Hein. Non, sinon, pas du tout. Sinon, j'ai sous la main mais une bombe atomique. Je dois vous dire quand même que le titre des mémoires a été choisi. Ils savent que je sais tout. C'est le titre de... Voilà. On entend bien, on entend bien. Je suis là et j'observe. J'observe, vous savez, je m'amuse. Un dernier mot, Robert Bourgis, parce que vous avez défrayé la chronique ces derniers temps. Vous êtes devenu connu du grand public pour la fameuse affaire des costumes de François Fillon, des costumes qui vous ont coûté assez cher à lui et à vous. À vous, un peu plus de 10 000 euros. À lui, peut-être la présidence de la République, non ? On a beaucoup dit que l'affaire de ces 2 costumes que vous avez offerts à François Fillon lui a coûté l'élection. François Fillon est un ami. Était un ami. Je lui ai fait ce cadeau. C'est en fait un pari que je m'étais fait.
Je me rappelle, il m'avait appelé, il me dit « Est-ce que tu es libre pour prendre un petit déjeuner au Ritz ?» Il aime bien ces petits endroits assez chics. Je suis allé, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Bien entendu, c'est moi qui ai réglé. Et je n'ai jamais vu régler une note. Et il m'a dit « Tu sais, je vais gagner la primaire, je vais battre Alain et je serai président de la République. » Je l'ai écouté et je lui ai dit « T'en es sûr ?» Il m'a dit « Oui. » Et à part moi-même, comme l'on dit, j'ai dit « Tiens, je sais qu'il aime les vêtements d'Arnis, en voilà un. Je vais lui offrir deux costumes. » Mais il ne le savait pas. Étant persuadé, monsieur Poincaré, qu'il n'allait pas battre Alain Juppé. Et voilà François Fillon, vainqueur de l'élection, de la primaire. Je suis allé chez Arnis, j'ai commandé deux costumes, j'ai payé ces deux costumes, et j'ai dit au maître tailleur, vous vous manifestez auprès de monsieur Fillon, et tout, et tout, et tout. Et il l'a payé cher. Il l'a payé cher. Mais... Il l'a payé cher, pourquoi? Parce que vous l'avez révélé. Monsieur Poincaré, il est élu. Il m'envoie un texto. Merci pour tout. Nous sommes en octobre. Merci pour tout. Je t'embrasse. Et un petit smiley. Je n'ai jamais couru après une audience. Mais c'est un copain. Quelques jours passent, je lui envoie un texto. Cher François, j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille. Il aime bien le Saint-Julien. Des bonnes années. Aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. 4 mois se sont écoulés. Et un jour, je le rappelle, je lui dis François, je ne comprends pas ton silence. Je ne cours après rien à mon âge. Il m'a dit, j'ai la tête sous l'eau. Je n'ai pas le temps de te voir. J'ai rien dit. Et vous savez, ça travaille. Je suis un être fait de chair et de sang. Ça travaille, je dis, comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça? Et j'ai appuyé sur la gâchette. C'est pas plus difficile que ça. Appuyer sur la gâchette, ça veut dire révéler que vous voilà. Avez offert ces costumes. Pourquoi le cacher? Alors, il reste plus qu'une question qu'on se pose, Robert Bougie, parce qu'on l'a bien compris, cette affaire des costumes. Vous êtes déçu? Non, vous il y a une deuxième raison. C'est qu'il a été ignoble avec Sarkozy. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Sarkozy vous a encouragé à appuyer sur la gâchette, à flinguer Monsieur Poincaré, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Je lui dis, tu sais, Nicolas, je ne suis pas bien actuellement. Il me dit, mon Dieu, pourquoi? Et je lui raconte ce que je viens de vous dire. Je lui dis, je vais me le payer. Il me dit, ben écoute, de toute façon, même si je te disais le contraire, je connais ta détermination, tu vas le faire. Je lui dis, je vais le faire, Nicolas. Je ne veux pas que cet homme rentre à l'Élysée, il n'en est pas digne. Il a été ignoble avec toi, qui touche à Sarkozy, me touche. Deux, d'avoir, en janvier, dit, si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas. Il a oublié ce qu'il avait dit en janvier, ça, je ne l'accepte pas. Je me rappelle qu'à la fin du déjeuner, il m'a conduit jusqu'à la porte, il m'a embrassé comme il le fait à chaque fois. Tu vas le faire, Robert ? Je lui dis, c'est comme si c'était fait. Il me dit, alors il ne sera pas président. Là, tu vas le tuer. Et voilà. Et voilà ce qui est arrivé. Et voilà comment vous venez de nous dire que vous avez appuyé sur la gâchette. Merci beaucoup, Robert Bourgi, pour ces informations sur les costumes de François Fillon et surtout sur Ali Bongo, le président gabonais à qui nous consacrions cette émission. Avant de se quitter, je voudrais vous dire que Tristan Walex et Mathieu Régnier viennent d'obtenir le prix Albert Londres. C'est le prix le plus prestigieux en matière de télévision. Ils l'ont obtenu pour leur enquête, pour complément d'enquête, qui s'appelait « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ». Et naturellement,
Toute l'équipe de Complément d'enquête est particulièrement fière de ce prix et notamment que ce prix soit attribué pour ce sujet-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Clément Castex et Samuel Humez à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à la réalisation. Très bonne soirée sur France 2. 17. Mais pas de façon très académique, selon Jean-Paul Benoît. À cette époque, ce haut fonctionnaire français... Ça, c'est moi quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la Coopération. ...était en coulisses l'homme qui réglait les problèmes d'Omar Bongo à Paris. Il affirme avoir fait jouer ses relations au plus haut niveau pour qu'Ali, le fils, ne soit pas recalé. En fait, j'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas. Si, il avait foiré en partie. Si, il l'avait foiré. Est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone ? Je l'ai eu au téléphone à ce sujet, oui, tout et, à fait. Et une fois qu'il vous a alerté de ses craintes, qu'est-ce que vous, vous avez fait ? J'ai fait savoir à qui de droit que ces craintes existaient et de la nécessaire indulgence du jury. Et qui de droit, c'était ? René Journiac, responsable des affaires africaines à l'Élysée, de l'époque. Donc auprès de l'Élysée, auprès de Valéry Giscard d'Estaing, non, j'imagine ? Journiac était le collaborateur de Giscard d'Estaing, bien évidemment. La suite ? Un coup de baguette magique. Deux copies du jeune homme auraient été mystérieusement perdues. Ali aurait donc obtenu la moyenne d'office. Pour les Bongo, le bac ? Simple comme un coup de fil. C'était la pratique de l'époque. C'était un autre contexte. Il y avait une co-gestion familiale des affaires franco-africaines, ce qu'on a appelé la Francafrique. Il paraît que votre père serait intervenu auprès des autorités françaises pour que vous ayez votre bac. C'est vrai, cette histoire ? Ah, vous me la prenez. Vous en avez jamais entendu parler ? Non. Ali semble avoir perdu la mémoire. Une certitude, il a toujours vu la France céder aux caprices de son père. Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général de Gaulle. Et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France, sans le Gabon, est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est... une voiture sans chauffeur. Le papa d'Ali a du talent. Le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche. Grâce à un deal incroyable, signé avec la France et son groupe pétrolier, Elf. Dans les eaux gabonaises, des millions de litres de brut sont pompés chaque mois. Et le schéma de la filiale locale est le suivant. En plus d'Elf Aquitaine et de l'État gabonais, 18% des actions sont réservées à Omar Bongo, avec à la clé de jute dividendes versées à son clan. Quand Loïc Le Floch-Prigent prend les commandes d'Elf en 1989, il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs. La formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire, je ne la trouvais pas saine. Mais je n'étais pas en position de la combattre. C'est comme ça que Omar Bongo a fait sa fortune. En touchant sur le pétrole, sur ses... En touchant sur ses parts dans Elf Gabon. Il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi. Mais les patrons d'Elf serait allé encore plus loin, en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus. Nous avons mis la main sur un document confidentiel, adressé à Philippe Jaffré, le successeur de Loïc Le Floch-Prigent. Dans ce courrier daté de 1996, signé de sa main,
Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser. Il appelle ça ses frais commerciaux. 10 millions de dollars par trimestre. Pourquoi l'État français, propriétaire d'elle, si deux anciens camarades d'Ali Bongo, Didier et Patrick. En primaire, ils étaient en classe avec un futur chef d'État. C'est ici que vous avez joué avec Ali Bongo. Voilà. C'était la cour des garçons. Là, c'est la cour des garçons. Bon, j'ai repris mon cartable. Très bien. Moi, toujours bien élevé. Allez. Interrogation écrite. Voilà. Et vos documents. Donc il est là, c'est quelqu'un qui était assez discret, calme, bon, qui n'était pas tapageur, qui ne cherchait pas à se mettre en avant. Voilà. C'était pas le roi africain, non, le passage à l'Est. C'était pas le nabab. C'est pas du tout le Il ne se frisait pas les moustaches. Non. Un petit Africain perdu au milieu des Français. Envoyé à l'Est par son père pour être protégé après une tentative de coup d'État. Car papa est numéro 2 du régime gabonais. Quand Ali rentre à Libreville, à la fin de son primaire, son père a gravi un échelon. Il est devenu président. Ali a sa propre moto. La famille Bongo mène désormais la vie de château. Des années dorées, vacances en famille, au sport d'hiver, dans les Alpes françaises. Ali découvre la neige. Et Omar est traité comme un roi. Une personne pour lui enlever ses chaussures de ski, puis deux, puis trois. Ali, lui, vit désormais bien loin d'Alès, entouré de domestiques, dans un bel appartement, avenue Foch à Paris. Le fils du président poursuit sa scolarité dans un établissement très réputé de Neuilly. C'est donc ici, à l'institution Sainte-Croix de Neuilly, que j'ai été en classe quelques années avec Ali Bongo. Michel Folle a fait son collège avec l'actuel président du Gabon. Le matin, on pouvait admirer une belle voiture noire arriver avec Bongo et ses gardes du corps. Et en classe alors, que donnait l'élève Bongo ? Disons qu'il était un élève moyen, il n'était pas nul, mais il n'était pas exceptionnel non plus. Hein. Donc, il était, je dirais, très moyen. Voilà. Dans l'ensemble, j'avoue que j'étais pas un élève très motivé. Il y a des camarades de classe qui disaient que vous étiez un peu bavard aussi en classe. Oh, ils s'exagèrent. Je n'étais pas si bavard que cela, simplement que j'ai mué un petit peu plus vite et donc ma voix était un peu plus grave, donc on me repérait rapidement. Ali Bongo est un élève médiocre. Au lycée, ses mauvais résultats deviennent inacceptables pour son père, se souvient son professeur d'anglais de l'époque. Lorsque les notes laissaient à désirer, il était convoqué à Libreville et il partait entre deux avions recevoir une admonestation de son père. Et je l'ai vu revenir un lundi matin, les traits tirés, les yeux fatigués, et il avait fait l'aller-retour pendant le week-end pour se faire enguirlander par le président. Son père est fou de rage, qu'importe. Ali Bongo n'aime ni les études ni la politique. Il n'a qu'un rêve en tête, devenir chanteur. Sa passion, le funk. Il a à peine 17 ans et fait déjà la tournée des salles au Gabon. Il enregistre même un disque. Grâce à l'argent de papa, il se paye les musiciens de James Brown. À l'époque, il s'appelle encore Alain. Il changera de prénom après sa conversion à l'islam. À l'approche du bac, c'est la panique dans la maison Bongo. Entre le Gabon et la France, le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'État. Ça, c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix, c'est ça ? Des anciens qui ont passé le bac.
D'accord. Donc, on a une liste par promotion. Alors, Ali Bongo, il est dedans ou pas? Alors, il n'y est pas. C'est bizarre. C'est un mystère. En fait, son bac, Ali l'a bien obtenu en 1969. A-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement? La clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville, sur les murs du bureau d'Omar Bongo. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très, très proche? Tout le monde. Tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Pour cela, il serait passé par un intermédiaire. Un avocat franco-libanais. L'homme qui a offert de très chers costumes à François Fillon. Le fameux Robert Bourgi. Pendant des années, il a fait la navette entre la France et le Gabon. Je crois être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui m'appelait fiston. Après la mort du patriarche, Robert Bourgi se met à table. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, Le Pen, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Mon cher Robert Bourgi, cette photo est le gage de notre fraternité. Jean-Marie Le Pen dément avoir touché un centime, tout comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin également cités. Aujourd'hui, celui qu'on appelle l'avocat de la France-Afrique va plus loin. Tout le monde était mouillé. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Comment ça se passait en pratique? Je ne veux pas... Sans citer de nom? Non. Je ne veux plus en parler. Quand Bongo était à l'hôtel Crillon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre, voilà. C'était une façon de redistribuer. C'était aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. À la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Compte à l'étranger, yacht, immobilier de luxe. Les Bongo ont en plus la main mise sur des pans entiers de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics, par exemple, hein. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio, le secteur aérien. S'ajoute aussi un patrimoine immobilier conséquent, chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris.
C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très, très proche? Avec tout le monde, tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Bonsoir à tous. La France et le Gabon et la France, c'est une longue histoire commune. La France soutient la dynastie Bongo depuis le début des années 60 et les Bongo financent les partis politiques français. Ça s'est longtemps passé comme ça et tout le monde était très content. Ce soir, complément d'enquête vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, ce petit pays pauvre en Afrique, pauvre malgré de grandes ressources pétrolières. Ali Bongo, c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo. Il a été élevé dans les meilleures écoles françaises. Pour la petite histoire, il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Élysée. Ensuite, il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune. Mais en septembre dernier, sa toute dernière réélection, très douteuse, a provoqué des émeutes sanglantes. Dans les fauteuils rouges, on parlera de tout cela avec Robert Bourgi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avocat de la France-Afrique, grand connaisseur de toutes les affaires africaines. On va en parler, mais on regarde d'abord ensemble ce reportage, le clan Bongo, une histoire française. C'est une enquête de Donatien Lemaître, Laurent Di, pour Bangoumi Productions. Vous allez bien, monsieur le président ? Ça va, et vous-même ? En chemisette, décontracté. Il a l'air d'un vacancier. Voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'État africains. Le plus français, en tout cas. Ali Bongo, 58 ans, président du Gabon, un dictateur selon ses opposants. Petit tour dans Libreville, la capitale. C'est lui qui est au volant, mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa garde rapprochée. J'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles. Les autres occasions, je conduis moi-même. Pour moi, c'est en même temps une détente que de conduire. Et j'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder. Une façon pour lui de voir son pays et son peuple, loin de son palais. Ce matin, l'accueil dans les rues est chaleureux. Bonjour le boss. Comment ça va les hommes? Ça va, très bien. Bon. L'initiative, c'est bon, le boss. Nous sommes très contents. On est venu voir un petit peu les... J'espère beaucoup de succès, patron. Merci. Pour les télétravaux. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Nous sommes très heureux, ça va. Ça va, c'est très bien. Merci. Ok, merci, monsieur le président. Ok, merci. Le contact avec les populations, c'est un moment privilégié. C'est toujours très important de maintenir ce contact-là. Ici, à Libreville, je n'ai pas de problème. Je me promène dans n'importe quel quartier. Il y a des endroits du pays où c'est plus compliqué ? Non, pas du tout. Dans tous les coins, tous les endroits, toutes les villes du pays, je me promène sans difficulté. Alors, Ali Bongo populaire ? Pas si sûr. Lors de la dernière élection, Ali Bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes. Résultat, les émeutes les plus violentes qu'ait connues le pays. Une trentaine de morts. Ali, attention, c'est pas un petit gros.
C'est quelqu'un qui peut être parfaitement brutal. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un type qui peut être policé comme ça, affable, mais aussi extrêmement violent. Il est diabolique. Sans état d'âme, sans cœur. Je vous assure. Le Gabon, petit pays d'Afrique de 2 millions d'habitants. Dirigé depuis 50 ans par la même famille, les Bongo. Le Gabon, base arrière de la France, qui s'y fournissait en pétrole, en bois, en uranium et en cash. Omar, le père d'Ali, aurait offert des millions d'euros à nos hommes politiques pour financer leur campagne. Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. C'était du cash, il le mettait dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre. Là. Protégé par la France, la famille Bongo a amassé au cours de son règne une fortune colossale, plus de 500 millions d'euros. Depuis la mort d'Omar en 2009, Ali a pris la relève. Comme lui, il mène une vie de millionnaire, roule en voiture de luxe, passe ses week-ends à Londres et s'offre le meilleur orchestre du monde pour faire de la musique. Pourtant, le nouveau président jure être en rupture avec son papa, roi des coups tordus. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Il y a un côté frustration, un côté freudien d'Ali par rapport au père. C'est-à-dire, après tout, j'ai pas été aimé comme j'aurais dû l'être. Portrait d'une dynastie de chefs d'État. D'un père tout-puissant aux 54 enfants et de son fils mal-aimé qui a bien failli ne jamais lui succéder. Il nous a fallu plusieurs mois de négociations pour approcher Ali Bongo. Il a finalement accepté de nous parler de lui. À Libreville, dans son palais. Impossible de rater ce bâtiment aux reflets dorés sur le front de mer. Il est gigantesque, presque 10 fois plus grand que l'Élysée. Un bâtiment construit par Omar Bongo en 1977, un projet pharaonique. Ce palais somptueux, est-ce que ce ne sont pas des dépenses exagérées, même si votre pays est riche? Un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui va dormir à même le sol ou à la belle étoile. Il faut un palais. Aujourd'hui, les temps ont changé. Cette bâtisse luxueuse gêne le fils Bongo. Interdiction de filmer l'intérieur du palais du président, tout en marbre et dorure. Ces quelques images ont été tournées discrètement. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Voici le salon choisi par la présidence pour l'interview. Derrière nous, des portraits géants. Ses excellences Omar et Ali Bongo. Le Gabon est une république, mais le culte de la personnalité est bien vivace. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien. Ali Bongo a mauvaise presse en France. Avec cet entretien, il veut redorer son blason. Il fait sortir tous ses conseillers de la pièce. Ah non, non, ils vont me gêner, là. Ouais. Non. Est-ce que là... Oui, ou alors... Oui, c'est mieux. Ok. Ah, c'est mieux. Enfin seul, comment dire. Le gouvernement français le tient à distance. Une blessure pour lui qui a passé son enfance chez nous, la France, sa seconde patrie. Alès, petite ville minière perdue dans les Cévennes. C'est ici qu'Ali Bongo débarque à 6 ans. «
Il grandit dans ce pavillon. Pendant 4 ans, il va mener une vie modeste, élevé par une ex-missionnaire protestante, Odette Perret.